Et yo salut à tous, c'est Keys. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur du PvP avec le Yup dans un petit mode astéroïde full puissance où j'ai 100% de chance de crit. Donc on joue deux items Strigide, full triton, un petit voile d'encre, un chevelu, un bouclier du Capitaine Amakna et l'astéroïde avec l'acide de flux ici présent plus un petit muldo prune. Alors on affronte un Roub. Ah c'est bugué. Il a combien de résistance? Ok, il a pas de grosse résistance donc on va pouvoir s'amuser entre guillemets. On va mettre la petite destin pour la préparer. Masse double divine. Hop. Au prochain tour, on va chercher la puissance, la maîtrise et on va foncer sur le roublard. Alors, Escaboum. Ok. On a combien de chances de crit avec les autres sorts, tiens? Le destin 85. Les concentrations 65. Parce que le stuff donne 60% de chances de crit de base. Après le reste, la maîtrise qui a 65 aussi, la puissance 75, les divines 65. Ok, alors il a rémission sa bombe. Il court un petit peu. Alors ce qu'il nous fait, c'est dommage parce qu'on est assez loin de lui là, c'est assez relou ça. On va bon, je pense. Et on va peut-être finir devant lui, hein. Ça pourrait être pas mal. Quoique. On voit sa puissance. Maîtrise d'armes. Et on pourrait. Je sais pas trop ce qu'on pourrait faire, tiens. On va poser une flamme sur sa tête. Ouais. Je pense qu'on va se poser ici, ça me semble pas mal. Quoique non, on va vraiment essayer de le faire chier. On va rester ici, là, ça me semble pas mal. On lui enlève une bombe en haut en plus. Et là, on nous enlève pas de PA. Donc ça, c'est cool. En même temps, je crois qu'elle peut pas nous enlever vu qu'il a étoupillé. Si je me trompe pas. Il a 16 PA, ce qui est vraiment énorme. Il va vraiment. Je pense qu'il va nous faire un gros tour de jeu là. Il pourrait changer de place avec sa bombe. En mettre une ici. C'est ce qu'il va faire, je pense. Ouais, c'est. Exactement ça. Il viendrait se prendre des cadences, sûrement. Même maintenant, tiens. Ok. On se prend du 500 x 2. Une autre bombe. On garde nos PM, et il reste près de nous. Ça, c'est dommage parce que je pense qu'on va le kinésie. Hein. Le couche d'astéroïde bah, qui va crit forcément. Donc, regardez l'estimation. Vraiment énorme. Hop. Petit 1008. La destin qui tombe. Et on va le tuer à coup de concentration, je pense. Hop. Donc voilà, du coup on se trouve pour un deuxième combat. A tout de suite. Alors on enchaîne par un deuxième combat. On affronte un Eka Flip qui a de bonnes résistances, tiens. Je pense qu'on va se cacher ici, ça me semble pas mal. Il vient de mettre une petite langue râpeuse à 422, ça fait des bons dommages. Il me semble qu'il a un Nébule aussi, ouais. Donc faut attendre un gros tour 3. Il se pose une roulette qui donne une roulette PM. Ok, donc on va peut-être éviter de se mettre là. Ouais, quoi que. Ça lui fera 6 PM. Ouais, on osef. On va se divine. On va mettre la destin. Hop. On va mettre une autre divine et tout simplement passer, je pense. Ouais. Alors, que nous fait les Kaflip? Il y a une roulette critique qui tombe. Donc là, je suis à 125% de chance de crit sur le cac. Hein. On peut que crit à cette heure. Alors. Il se roule de la fortune. Ok. Ensuite, il fait quoi? Maîtrise d'armes. Donc il va potentiellement prévoir un gros tour 3, ouais, comme on se l'avait prévu. Donc je pense qu'on va se mettre ici, nous. Alors, il se fait un trèfle. Donc ouais, c'est un Ekaflip qui va jouer avec ses sorts. Je pense qu'on. Je sais pas si on se met là ou là. Parce que s'il joue avec la tromperie, il pourrait mettre vraiment du sale. Donc je pense qu'on va rester ici. On va se puissance. Quoique. Là, je pense qu'il faut prendre des risques quand même. Hein. On va s'exposer. On va se mettre ici. Au pire, on va mettre une carotte là, tiens. Ça me semble pas mal. Alors, ce qui va venir nous rush. La roulette qui est une roulette intelligence en plus. Ouh là là. Si on met une épée du destin, ça va être vraiment catastrophique pour lui. Alors, il nous met des langues râpeuses. 600, 600. S'il se cache ici, ça sera assez chiant. Ouais, je pense qu'il va se cacher là-bas. Hein. Il va fuir. Sinon, là, on leur a mis Bagdad. Bah, je pense qu'on va bon et lui sauter dessus hein, quand même. Alors, on va bon. Bon cac. Le cac qui fait un très bon jet. Petit 2000 au calme. Et l'épée du destin, qui a presque le one shot du coup. 2060, ça va, on l'aurait tombé. Alors, que ne fait-il? Il a l'odorat, il a tout, il a un 15 PA. Il pourrait nous mettre vraiment mal. On va voir ce qu'il fait. Il fait un péril. Ouais, je connais pas trop le sort. Il se fait un contre-coup, donc ce tour-ci on va pas le tuer hein, vu qu'il a
1500 PV à peu près. Ça me semble un peu tendu. Il se fait une chance d'écaflip. Il met un coup de sabre à Cham, ok. Je pense qu'on va relancer la Vita et on le perd même au prochain tour. Alors on va lancer la Vita. Je pense qu'on va jouer safe. Hop. On va l'emprise. Divine, hein, carrément. Pas divine, anti, pardon. Et Imsi devrait pas me normalement, il me touche pas ici. Donc on devrait être bon. Il perd son contre-coup. Il est sous chance. Donc il doit pas nous toucher. Il peut pas partir bien loin. Peut-être avec la Kawotte se balader. Mais on risque rien à ce tour-ci. Hein. Il met une langue grappeuse. Une deuxième. Il nous fait quoi d'autre? Il reste 3 PA. On perd une vite à ce tour-ci. Du coup, il nous reste 1300 PV. On est plutôt bien. Je pense qu'on va le finir juste. On n'a pas besoin de sous-puissance. Hein. On va le mettre la relance de l'épée destin et ça sera fait. Il l'odora. Pour le prochain tour, je pense. Mais bon, c'est un peu fini. Donc voilà. Du coup, on se trouve pour un troisième et dernier combat. On est parti pour un troisième et dernier combat. On affronte un petit Ekaflip qui a de bonnes résistances. Il m'a l'air R. 114 d'attaque. Donc c'est un Ekaflip agi. On a combien nous? 23. On va prendre taré. Je pense qu'on va rester caché dans le coin là. Alors. Il met une roulette. Possiblement pour se rapprocher du prochain au prochain tour, hein, je pense. Il reste 4 PA. Il se met une cavotte. Ok. On va destin. Double divine, hein, on va se booster pour les prochains tours. On pourrait se mettre ici. Je sais pas si c'est le plus rentable. Je pense qu'on va se mettre là, hein, ça me semble plutôt bien. Même ici. Alors, la roulette qui donne une roulette PA. Oulia. Là, ça va faire des dommages ce tour-ci. Il fait une grille de 5L pour se rapprocher. Du coup, il brûle déjà 2 PA. On pourrait l'emprise, ça me semble pas mal. Pour se préparer au gros tour 3. Avec une puissance. Puissance, maîtrise. Vitalité. On va voir ce qu'il nous fait d'abord. Il nous fait un lapement. Ok. Ensuite, un coup des caches. Il fait des bons dommages, hein. Il va se redonner un petit PM pour nous bloquer. Ok. Alors, on va puissance. Maîtrise. Vitalité. On va finir ici. On peut même pas finir ici, tiens. On va l'emprise. Hop. Et on pourrait taper avec quoi, tiens? On va mettre... Bon, on peut même pas le taper, tiens. J'ai gaffé mon tour. On va aller roder pour le prochain. Ok, où il fasse... je sais pas quel sort, tiens, on verra. La roulette, il redonne une roulette PA. Donc, ce tour-ci, il y en a un de nous qui va mourir. Il a 43% feu. Ça c'est assez gênant, tiens. Parce que la destin fera pas tant de dommages que ça. Le coup de cac fera des bons petits dos vu qu'il a 25 terre. Il se fait un trèfle. Ok. Du coup il doit nous taper avec des sorts. Lesquels je sais pas trop. Et il nous fait une fanfaronnade. Et une audace. Ok, donc à nous. Est-ce qu'on le tuerait pas là? Je pense qu'on le tue assez facilement. On va lui mettre une concentration. Hop, pour enlever les points de bouclier. Le coup de tia qui tape énormément fort. Hop, 1005. On va se précis. On va relancer une pression, tiens. Hop. On va lâcher la destin. La concentration. On va en poser deux et on doit le tuer. Bah voilà, impeccable. Du coup, on le tue. Du coup, bah c'était Keys. J'espère que cette petite vidéo PP avec le up vous aura plu. Et je vous dis bah à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!